j'ai une suite. Donc on va dire j'ai une suite VN. Hein? Et je dois calculer la limite suivante. Limite lorsque n va vers plus l'infini de VN plus A. Ouais. En fait, là, ce que je veux dire, c'est un truc assez simple, mais il faut l'avoir compris. L'idée, c'est la suivante, c'est que la limite de tout ça, ben, ce qui va se passer, pour que tu comprennes bien, c'est que là, on voit que c'est le n qui bouge. C'est le n qui va bouger. Ce n, on le voit où là? On le voit ici. A, c'est quoi? Je t'ai pas dit ce que c'est. A, je dis juste que A, c'est un réel. Donc c'est un nombre fixe. Lui, il est fixe. Il n'a pas bougé, lui. D'accord? Donc maintenant, cette limite, en fait, on dit que la limite, c'est comme, en fait, c'est comme la distributivité. C'est limite de ça. Donc c'est la limite lorsque n va vers plus l'infini de vn. Là, il y a un plus limite lorsque n va vers plus l'infini de a. C'est ça, en fait, c'est la distributivité. Donc elle est distributive aussi la limite. Sauf que ben, limite de A lorsque n va vers l'infini, est-ce que tu vois un n là? Non, il n'y a pas de n. Du coup, vu qu'il n'y a pas de n, ben ça sert à rien. Et ça revient un peu à ce que je t'ai dit avant, que si tu veux, quand on se retrouve avec ça, de Vn plus A, ben là il y a deux cas de figure. Soit lui. Donc c'est vraiment lui qui va tout décider. Donc deux cas de figure. Si lui maintenant, il va vers plus l'infini. Donc si lui maintenant, il va vers plus l'infini. Bah lui, vu que c'est un truc fixe, un truc petit, même s'il est énormément négatif, si lui va vers plus l'infini, bah lui, il va être engoli. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il n'a aucun poids face à l'infini. Pareil. S'il va vers moins l'infini, bah lui aussi, il n'a pas son mot à dire. Parce que là, on parle de l'infini. Par contre, donc ça c'est le premier cas. Si c'est plus ou moins l'infini, c'est lui qui va décider. C'est cette première partie. Par contre, le deuxième cas, c'est quoi? Le deuxième cas, c'est si Vn va vers 0. Donc si Vn va vers 0, bah ça va vers 0. Donc si on va dire si c'est Vn qui va vers 0. Et alors là, du coup, ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est plus là. Ça disparaît. On le voit plus. Et qu'est-ce qui reste? Il reste le bonhomme. Il reste A. D'accord? Donc voilà, ça c'était juste le mot final. Parce que souvent tu peux voir. Donc on te le donne directement. On te dit limite de UN plus B, c'est B plus limite, lorsque N va vers plus l'infini, de UN. Donc en gros. Ça revient quand même à calculer ça. Ça veut juste dire que voilà, la limite n'impacte pas ce b. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de n là-dedans. Voilà.